Nouveau numéro de Reporter Plus, le magazine de reportage long format de France 24. Nous vous invitons aujourd'hui à suivre la douloureuse quête de vérité d'une femme sur les origines de sa famille. Lorsque Sarah, âgée de 30 ans, devient mère, elle décide de briser l'omerta imposée par son père, fils de Harki. Harki, c'est ainsi que l'on appelle les Français originaires d'Algérie qui ont combattu aux côtés de l'armée française contre l'indépendance de l'Algérie avant 1962. Après l'indépendance, les Harkis, qui ne sont pas massacrés, s'enfuient en France. Mais le sort qui leur est réservé, parqué dans des camps, est tellement scandaleux que la France a longtemps préféré le taire. Le film puissant et mouvant que nous allons vous présenter témoigne de l'histoire d'une famille Harki, comme il y en a eu tant d'autres. Vous allez le découvrir en ouverture. Il a remporté de très nombreux prix dans les festivals documentaires. C'est sa première diffusion à la télévision. Il est signé Cécile Kindria et Vittorio Moroni. Mais c'est pas le fou comme seul de maintenant. C'est quoi? C'est le vrai, c'est les failles. C'est parce que ça vient d'où le henné? Eh ben, pas chez nous, les autres en village, pas chez nous. Mais c'est quoi? C'est les feuilles des arbres que oui. Tu broies? Non, c'est pas des arbres de. Comme l'herbe, comme ça, elle pousse par terre. Ouais. Après, on coupe les feuilles, on les sèche, mais pas beaucoup, beaucoup chez nous. On achète, viennent les Arabes, ils viennent sur le chameau, ils le ramènent, on achète, oui. Ah ouais? Oui, nous on paye avec le blé. Ouais. C'est pas, on donne pas de l'argent. Oui, ils donnent le hanay. Ouais. Ah, mais les gens avant la guerre, oui, mais après la guerre, et la guerre, c'est... Ouais. Si j'ai le courage comme l'époque là, ça va, mais maintenant, il ne me reste rien du tout. Ouais, j'ai dit à un docteur, j'ai pas qui la mort. Le mot. Il m'a dit, non, madame, j'ai fort, ils ont besoin de vous. J'ai dit, non. Mais si, il a raison. Non, ouais. Attends. Il y a quelques mois, Marie est née, mon premier enfant. Et avec elle, ont ressurgi certaines questions qui m'empêchent de garder le silence. Celui de mon père, algérien, fils de Harki. Un mot qu'on ne prononce qu'à demi-mot dans ma famille, réfugiée en France dans les années 60. Tout comme le mot Bias, le camp où elle s'est retrouvée internée en arrivant ici.
c'est une nécessité absolue que tes enfants le sachent. Qu'ils la découvrent quand je serai plus là. Non, c'est trop tard. Non. Parce qu'ils ont peut-être, ils ont peut-être des questions à te poser. Il faut qu'ils sachent. Je ne veux pas leur mettre la haine, en fait. Parce que moi, quand on me raconte que voilà, mes parents, leur a fait ça, et... T'imagines à cet âge-là, à 14 oui, ans. Oui, bien sûr, à 14 ans, c'est trop jeune. Mais maintenant, il faut qu'ils sachent. En pleine adolescence. La vérité, il faut la dire, il faut l'écrire, il faut la dire. Il faut que non seulement tes enfants, tes petits-enfants la connaissent, mais il faut que le monde entier sache comment nous avons été traités. Ça, c'est fait, Théora, s'il vous plaît. Allez, ça, c'est fait, d'ailleurs. Allez, bon, ça y est, mamie, elle est fatiguée. Je suis désolée de rouvrir vos blessures, mais j'ai besoin que vous me rendiez un peu de ce passé, qui est après tout aussi le mien. Il faut tout d'abord rappeler qu'on venait de quitter 6 années de vie infernale en Algérie. On était loin, 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 loin d'imaginer, après avoir tout perdu, qu'on allait nous enfermer dans des camps. C'était des camps où on assistait à des meurtres. À des meurtres à coups de hache, à coups de pistolet, à coups de carabine. Pardon, voilà, pardon, j'ai fini, merci. Désolé qu'on a... Si je parle tout, je raconte qu'est-ce qu'il me dit là-bas, ici. Un an, je finis plus jamais. Mais merci le Dieu, votre courage. Il a donné le courage et je l'ai remercié des milliards de fois. Mais si maintenant, je ne peux pas. Je ne peux pas. Pardon, mamie. N'en parlons plus. Je sais peu, presque rien de mon grand-père Amar. Il est mort quand j'avais 13 ans. Que lui est-il arrivé en Algérie à la fin de la guerre, lorsque le FLN a triomphé et que les Français ont désarmé les harkis abandonnés à leur sort? Que s'est-il passé lorsqu'il s'est réfugié en France? Pourquoi personne ne veut se souvenir de Bias? Le camp de Bias, l'endroit où les espoirs de ma famille ont été anéantis une dernière fois. Bonjour Dalida. Bonjour. Donc, je me présente, je m'appelle Sarah. Ma famille a vécu dans le camp de Bias et en fait je viens à la rencontre des gens pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire
tout ce qui s'est passé. J'aurais voulu savoir si on pouvait discuter. Oui, mais finalement, j'ai réfléchi depuis votre appel et je préfère vous en parler. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sarah Djafour. Madame. Je m'appelle Sarah Djafour, je suis la petite... Je suis la petite fille de madame Djafour et je viens... Je viens rencontrer les gens qui vivent ici un petit peu. Et je peux pas vous poser quelques questions? Non. À qui j'ai raconté quelque chose? À moi? À rien. Même à mes enfants, je racontais pas. Bonjour Mohan. Mohan? Ouais. Je peux rentrer? Oui, vas-y. T'es qui? Je m'appelle Sarah Djafour. Je suis la petite fille de madame Djafour. Ah oui, je connais. Je peux m'installer là? Ouais, vas-y. Installe-toi, j'arrive. Alors, qu'est-ce qui nous vaut cette visite? Ben alors en fait, je viens à la rencontre un petit peu des gens qui ont vécu ici, ouais. Puis dans le camp. Ouais. Et je crois que tu as beaucoup de choses à me raconter sur le camp pour en apprendre un petit peu plus sur ma famille. Ah oui, j'ai connu ta famille. J'ai connu, ils sont partis d'ici en 1975, je crois. 75 ou 76? 76, ouais. 76, ouais. Ils sont partis d'ici, ouais. 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 À la fermeture des soi-disant des camps, mais des camps qui n'ont jamais fermé. Puisque j'y habite encore, tu y arrives, tu me trouves encore ici. Mm-hmm. Ouais. Parce que toi, tu as toujours vécu ici? Ben, j'ai toujours vécu ici depuis le 17 septembre 1963. Et quand on est arrivé, il faisait sombre et tout. Et c'est la biasse. Ouais, il faisait sombre. Il n'y avait rien. Le petit logement qu'on nous avait octroyé, il n'y avait rien. Mon père est allé dans un bâtiment qu'il y avait vers le fond, là-bas. Ils lui ont donné des housses qu'il fallait remplir de paille. Il est revenu avec ses pailles. Et heureusement, on avait quelques bougies à la maison, parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Donc on a passé la nuit comme ça. Mon père, il est venu avec des trucs comme ça. Je lui ai dit, mais comment on va dormir dessus? Il m'a dit, quand tu vas monter, ça va s'aplatir. Donc on a dormi sur ces paillasses. Et mais ces paillasses, on les a gardées jusqu'en 1968. Hein. Le premier truc qui m'avait dérangé, moi, le soir, premier soir, on a été accueillis par des punaises. Il y avait plein de punaises, il y en avait, ça grouillait de partout. On était obligé de dormir avec la bougie allumée, il fallait surveiller que la bougie, elle ne te mette pas le feu à la paille et tout. C'est la misère, quoi. Les harkis ont vécu des drames un peu partout. Mais ici, c'était le pire. Le camp de Bias, c'était un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. T'as des souvenirs, toi, en Algérie? T'en as beaucoup? Ah oui, parce que nous... ouais, c'est des souvenirs qui sont durs, parce que y a eu, ma famille avait été massacrée et tout, alors donc... C'est des trucs que j'ai pas envie de trop raconter, quoi. D'accord. Ouais. Et juste, est-ce que tu sais, parce que c'est quelque chose, moi, qui m'intrigue, c'est pourquoi ton père, lui, comment ton père, il s'est retrouvé avec l'armée française? Non, mais justement, c'est suite à l'attentat qu'il y a eu dans notre village, là. Ouais. Ils sont venus, ils ont massacré ma famille. Le FLN est venu à massacrer ta famille? Oui, pour rien, quoi.
Ils sont venus, ils les ont sortis de la mosquée, ils ont engorgé des membres de ma famille, mon père lui a tiré dessus, pour rien. Et donc ils ont autorisé l'armée française à s'installer là-bas, à s'implanter. Ils se sont implantés, donc ils ont créé une ARCA. Rien ne me dit que ce n'est pas l'armée française qui a envoyé ces gens qui se disaient du FLN. Pour que l'armée française puisse s'installer dans notre village, peut-être qu'il a fallu cette manipulation. Mais bon, tout ça, bon, je ne sais pas trop te raconter le truc, parce que bon, tu arrives, on est en train de taper le café, j'ai pas toutes mes idées en place. Jusqu'à hier, j'étais convaincue que toutes ces portes me resteraient fermées. Mais grâce à la rencontre avec Mohand, elles commencent doucement à s'entrouvrir. Bonjour Kader. Bonjour Sarah. Enchantée. Bienvenue à toi. Merci de bien vouloir me recevoir. Bonjour madame. C'est un plaisir. Ben, j'ai appris que tu es venue, c'était un peu pour partir sur la mémoire de tes grands-parents. C'est ça. Ici au camp de Bias. Ouais, c'est ça. Ben, écoute. C'est bien, franchement, c'est bien. Voilà, parce que moi, comme je te dis, mes enfants, ils n'auront pas ce courage-là. Ils n'acceptent pas qu'on dise que son grand-père, c'était un traître. Mmh. Eux, ils prennent le mot traître dans la gueule et eux, ils n'ont pas de répondant, alors ils préfèrent ne pas en parler et moi, se réfugier derrière, ça concernait mon grand-père. Et... Donc, c'est un ça marche. Hop. Merci de bien vouloir me recevoir. Hein. Alors, j'ai parlé à ma grand-mère il y a 2-3 jours, elle m'a dit j'avais une seule amie au camp de Bias, c'était Madame Tamazunt. Et bien, voilà. Donc, ma grand-mère, Fatma, voilà, elle vous embrasse. Tu comprends un petit peu le... Ah, pas trop. Elle te dit qu'elle a travaillé beaucoup avec elle dans les champs. C'est ce qu'elle m'a dit, oui. Qu'elle a un grand vécu avec elle ici, puisqu'on était voisins ici. Donc. C'est des choses dans la famille, on ne parle pas beaucoup. Hein. Moi, je sais que mon père, je pense qu'il a occulté beaucoup de choses pour avancer. Et, Oui, je pense que ton papa, peut-être qu'il te l'a... pas transmis comme il voudrait te la transmettre, parce qu'elle était... Ce qu'on a subi, c'est quelque chose de tellement violent, quoi. Et c'est dur à expliquer. C'est sûr que moi, j'ai déjà du mal à l'expliquer à mes enfants. Il y avait des meurtres en direct. Il y avait des enfants qui subissaient des traumatismes. Déjà, c'est un traumatisme d'être interné dans un camp. Et en plus, on subissait des choses... À l'âge de 6-7 ans, moi j'ai encore mémoire de bagarres se terminer, oui, avec une balle dans la tête par exemple. Ouais. Mon traumatisme, moi, c'était une personne, une dame qui avait été tuée une nuit de 33 coups de couteau, je crois. Ouais, une dame. Il s'était acharné, le bonhomme, sur elle. Elle avait été assassinée la nuit, le matin, on avait compris que 33 coups de couteau, c'est moi, j'étais gamin. Ils ont laissé pratiquement un bâtiment entier de personnes déséquilibrées, psychisme, complètement. Limite, pourquoi il y avait des meurtres? Ils savaient que ces gens-là, ils étaient capables de te tuer. C'était des gens atteints de pédophilie. C'était des violeurs. C'était des gens malades qui avaient tout pour commettre ces faits. Et on les a laissés là, au milieu d'enfants. Les gens, pourquoi ils se sont armés? Mon père, la seule chose qu'il avait, c'était de mettre son fusil, de le charger le soir, de le mettre à côté de son lit. Oh. Bias n'est pas un village comme les autres. Bias n'est pas en Algérie, mais en Lot-et-Garonne. Là vivent des harkis que la France a recueillis. Ils ont fondé une véritable communauté qui ressemble étrangement à celle qu'ils ont quittée. Ton père et le mien sont venus en même temps. Les Djafour, on est venus en 68. Ouais. On est passé par le château de Lascour dans le Gard et on a atterri ici. Voilà. Tous ces bâtiments, si tu veux, de là-bas, de derrière la butte, jusqu'au bout, c'était l'administration, comme je t'ai dit, le dispensaire médical, les professeurs, et tout là-bas, c'était les écoles.
Les bâtiments ressemblaient à des bâtiments comme dans les camps de concentration. L'architecture était exactement la même. Il y avait 2-3 pièces. Allez, pour les familles, tu te rends compte, les familles qui étaient 7-8, une dizaine, il y en avait, il y avait 4 ou 5 enfants par champ, par piole. Il y avait une petite gazinière pour faire à manger, les toilettes étaient dehors, c'était insalubre, enfin bon. Et avec les barbelés autour. Mmh. Et une surveillance aussi. Au portail et il tout manquait et tout plus que les miradors. Ah oui, ah oui, au portail et tout, oui. Et puis les lumières, hop, et puis hop, extinction des feux, on éteignait, même à l'intérieur des maisons. Et donc avec ton père, tes 2 frères et ta mère? Non, non, ma mère elle est restée. Ta mère elle est restée en Algérie. Elle a abandonné, enfin, elle était pour l'Algérie, algérienne. Hein. Alors c'est ça en 68, elle est revenue ici en 2004, 37 ans après. Elle est venue en France? Elle est venue en France. Le contact a été assez difficile parce que, si tu veux, elle se rapprochait beaucoup de moi. Mais là, je pense, je parle de quelque chose d'assez tactile. Hein. Et moi, j'ai refusé parce que je lui ai fait comprendre. Après, je lui ai parlé, je lui ai fait comprendre que moi, c'était plutôt certaines éducatrices qui ont joué le rôle de la maman, de substitut, on peut dire ça comme ça. Mais elle, pour moi, je ne lui en voulais pas. Je ne lui en voulais pas, mais je voulais quand même garder, tu vois, cette distance. Parce que mon père en a bavé quand même. Quand il est arrivé ici, c'était la désolation totale. Hein. Ça te plaît de vivre en France? Oui. Tu aurais pas préféré rester en Algérie, non? Non, là c'est mieux. C'est mieux en France? Oui. Dis-moi pourquoi. Parce que là c'est mieux, parce que là-bas il y a le FLN. Il y a le FLN là-bas? Oui. Tu avais peur du FLN? Oui. Tu te plais ici? Oui. Tu préfères être ici ou être en Algérie? En Algérie. Oui. Tu étais à quel endroit en Algérie? Kerba. Pourquoi tu préférais l'Algérie? Mon pays, l'Algérie. Je vais te montrer une photo où, pour voir les conditions dans lesquelles ils vivaient. Alors, c'est qu'une pièce, mais tu vois l'état des murs, les tout comme ça. Tu t'en apercevras. Tiens, regarde. Je te l'ai sorti exprès. Ça, c'était la cuisine du camp de Bias, à l'époque. Alors là, c'est ma maman, c'est ma mère. D'accord. Là, c'est mon beau-père. Et ça, c'était notre cuisine à l'époque. T'avais rien. On avait droit, au niveau de l'État, du bureau à une douche par semaine. Comment ça se passait? C'était quoi, des douches où tout le monde, c'était comme dans les gymnases, tout le monde au même endroit et puis tout le monde au même endroit. On se douchait dans ce bâtiment été comme hiver. Hein. Quand tu penses que c'était quand même un hangar, imagine l'hiver. Honnêtement, c'était vraiment le système militaire fermé. Il faut savoir que toute démarche, il fallait en référer au bureau. Même pour un mariage, il fallait demander l'autorisation. Moi, je me rappelle que j'avais un frère qui habitait à l'extérieur. Et pour qu'il vienne voir ma mère, il fallait que ma mère demande l'autorisation au bureau. J'avais 15 ans quand j'ai su que j'avais des oncles et des cousins quelque part. Au camp de Bias, aucun étranger ne rentrait. Il n'y avait aucun étranger qui avait le droit de rentrer. On était entre nous. Est-ce que ça veut dire que vous ne vous sentez plus algérien? Non, pas du tout. Plus du tout? Non, je sens bien que je suis français pour le moment. Ne plus penser à l'Algérie, être français, ces phrases-là entendues un peu partout dans le camp n'étaient pas un constat, bien sûr. Seulement un souhait exprimé au présent dans l'espoir qu'il se réalisera plus vite. Le temps qu'il y faudra, c'est le problème actuel des anciens harkis. Et c'est aussi notre problème, puisque nous les avons pris en charge.
Elle va devenir célèbre, la villa. Hein? La villa Taille va devenir célèbre. Ah oui. Bien habillé, ça, hein? Ah, oui. Bon, les mégots ou les mégots, là? Ah, ben, tu les mets dans ta poche. Oh, bordel de merde. Allez, on y va, on rentre. Allez, on y va, on allez. Rentre. Allez, je t'en prie, hein. Ouais. Toi, hein. Oui, c'est vrai. Voilà. On est arrivé à Bias. Je croyais que j'étais retourné en Algérie. Ma mère, elle commençait à dire you-you parce qu'elle était contente. Et moi, je n'étais pas content. Ils nous ont rejetés. Tu prépares un petit café, Iklan? C'est ma fille, celle qui a 14 ans. C'est la dernière. Au camp de Bias, j'ai rencontré des... Mohamed, j'ai rencontré Ali, Omar et tout, bon. Ouais, j'aurais pas dû te rencontrer. Eh bien, on nous met dans des camps, ils nous ont mis dans des camps comme indigènes, pas comme des Français, pas comme des immigrés. Parce que les immigrés, on les a mis dans les HLM, et leurs enfants, ils allaient dans l'école républicaine. Nous, on n'était même pas considérés comme des immigrés. On était indésirables. On a été acceptés par force, parce que c'est des sous-officiers qui nous ont ramenés par force. Parce que M. de Gaulle et son gouvernement, ils nous ont rejetés, ils nous ont désarmés, ils nous ont mis le couteau du FLN sous la gorge. Et le voilà notre problème. Pourquoi on est comme ça? Pourquoi que, quel est ce mal qui nous ronge? Voilà. Est-ce que vous désirez garder la nationalité française? Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Oui, monsieur le juge. Et votre femme? Voulez-vous lui? Oui, monsieur le juge. Monsieur Ben Ahmed. Je veux voir. Un peu cosse. T'es un sacré danseur. Ah, il adorait ça, ouais. Ah, mais c'était un sacré record, hein. Ah, il aimait danser le rock, c'est incroyable, hein. Merci. Beaucoup de Lot-et-Garonnais, je dirais même pas de Français, de Lot-et-Garonnais, ne savaient pas qu'il y avait un camp dans le Lot-et-Garonne. Encore aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose. Et on nous a cachés. On dirait qu'on avait la peste. Tous nos parents sont devenus alcooliques. Mon père buvait, et beaucoup d'autres. Pour noyer leur chagrin. Pour dire, mais qu'est-ce que j'ai fait à la France pour... Mon père, il a dû se dire, qu'est-ce que j'ai fait à la France pour être là? Et est-ce que tant qu'on est sur l'Algérie, est-ce que... Parce que pour moi, ça, c'est quelque chose qui est... J'ai jamais su, et peut-être que je ne saurai jamais, hein, mais les conditions pour lesquelles, ou dans lesquelles votre papa ou vos pères respectifs se sont engagés pour l'armée française. Il y a plein de raisons que nos parents, il y en a qui ont égorgé leur famille devant eux. Il y en a qui ont violé une personne de la famille, tout ça. Plein de choses comme ça qui ont fait que certaines personnes ont été obligées de s'engager. Moi, j'avais ma grand-mère qui allait chercher de l'eau dans un puits. Au chemin du retour, il y a les militaires français qui l'ont ramenée jusqu'à chez elle. Avec la Jeep. Donc les voisins, quand ils ont vu ça, ils en ont déduit que c'était une... qui collaborait avec eux. Donc le soir, ils sont venus, ils l'ont pendu devant sa maison. Donc quand mon père est arrivé, qu'il a vu sa mère pendue comme ça devant chez elle, il allait directement s'engager avec les harkis. Voilà. À savoir que aussi, j'ai un demi-frère du côté de ma mère. Lui, il avait 18 ans et demi, 19 ans, et lui, il était FLN. Vous voyez quand la guerre d'Algérie est tragique,
est tragique. C'est-à-dire que mon père était harki et j'ai un frère qui était FLN. Parmi les images d'archives, cela me touche de découvrir les visages de ceux que je rencontre. Soudain, ces visages cessent d'être des archives et deviennent les compagnons d'enfance de mon père, les voisins de ma famille. À l'époque, mamie avait mon âge, à peine 30 ans. Mon père en avait 8. Et autour de lui, ses 8 frères et sœurs étaient aussi des enfants. Là, il y avait l'école. L'école, mais c'est l'école entre nous. Hein. Oui, oui. Hein? Aussi, oui. C'est-à-dire que moi, j'y allais une demi-journée à l'école. C'est pas normal que j'aille qu'une demi-journée. Nous, on croyait être dans une cité, aller à l'école avec les Français, quoi, avec les petits Français, tout ça. Non, 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 c'était pas ça. J'avais pas l'impression qu'on allait à l'école. Il y avait deux classes. Alors les niveaux, ils savaient plus trop comment aller faire. On était avec celui qui avait 14 ans, celui qui en avait 7, 8, tout ça mélangé. On était dans une école fermée, qui nous rendait illettrés, irresponsables, et elle ne nous intégrait pas. Donc, comment vous voulez-vous que demain, qu'on devienne des gens cultivés et des gens intégrés? Ce qu'ils faisaient, surtout, c'est qu'arrivés à 14, je ne sais plus si c'est 14 ans, ils enlevaient, ils venaient enlever le fils et le mettaient au centre de Moumour, un centre de redressement. Ce n'est même pas un centre, une école, c'est un centre de redressement. Et ce centre de redressement, même si l'enfant n'avait rien fait. Il y a le directeur du camp, qui était à l'époque M. Boucher, il convoque mes parents vis-à-vis de moi. Il dit à mes parents, vous savez pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je dis non, voilà, votre enfant va devoir vous quitter puisque j'ai décidé de le placer dans une structure, dans un centre, parce qu'il fait trop de bêtises. Ma maman a réagi tout de suite en lui disant mais pourquoi mon fils ne fait rien? Il n'a rien fait de mal. Il lui dit si, il a cassé un carreau. Et mon père lui dit non, mais hors de question, mon fils ne partira pas, c'est hors de question. Il lui dit bon. Et devant le refus de mon père, il a commencé à être menaçant, le directeur du camp. Il l'a menacé de beaucoup de choses pour le faire, pour qu'il signe. Et un moment, un geste de colère, il a tapé sur la table et un geste de dépit. Il a compris qu'il était obligé de s'exécuter. Et moi, dans la douleur, j'ai vu que mon père allait céder. Il a signé le fameux papier pour que je sois emmené dans cette structure. Beaucoup ont commencé à voir que ce directeur du camp nous manipulait surtout les anciens, puisque nous étions encore des jeunes adolescents, et ils voyaient qu'ils n'avaient pas le droit, qu'ils ne touchaient pas toute leur pension. Et quand des harkis se révoltaient, ben c'était directement le centre psychiatrique. Et il y en a beaucoup qui se sont retrouvés à la Candélie. Alors c'est centre hospitalier psychiatrique, c'était leur solution, la Candélie. Quand ils n'arrivaient pas à maintenir une autorité, Candélie. Une contestation, hein, Candélie. Une femme, on voulait lui enlever ses enfants. Alors elle a dit non, on n'avait pas à m'enlever mes enfants. Et quand ils ont voulu la prendre de force, elle avait préparé de l'huile, je crois, ou de l'alcool à brûler. Et ils ont forcé la porte, et quand ils ont forcé la porte, ben, elle leur a jeté sur le visage des gendarmes. Et il l'a amené à la Candélie. On l'a infiltré, je ne sais pas trop quoi, piqué, avalé. Ça revenait soit à légumes,
soit complètement déglingués, quoi. Et puis les autres qui restaient sur le camp, pour éviter que ça arrive, ces révoltes-là, etc., ils avaient laissé cacher là. Mon père, il s'est rebellé, il a été mis à la Candélie. Eh bien, il y avait mon frère qui était le plus grand, mon frère Boussad, père son âme, il est décédé maintenant. Et il nous racontait qu'il était en train de jouer au foot. Et il voit cette ambulance arriver et des hommes habillés en blanc le prendre, le mettre dans l'ambulance et... L'âge de dire bon ben ça suffit, nous voulons vivre autre chose. Et je leur ai dit ben on va brûler l'école pour que déjà faire disparaître cette école qui nous a rendu analphabètes et en même temps ça nous permettra aux jeunes d'aller à l'école dans les communes avoisinantes. Je suis rentré dans l'école, j'ai mis des algériennes et j'avais une boîte d'allumettes, je m'amusais comme ça. J'avais oublié que j'étais au milieu. Tac, tac, la première, elle ne s'est pas allumée, la deuxième, elle ne s'est pas allumée, la troisième, elle fait boum. Et Badi, je l'ai entendu, sors, sors, sors. Badi, il était dehors, lui. Il faisait le guet. Et il est sors, sors, sors. Et moi, je ne savais même pas où sortir. J'étais entouré de flammes. En plus, il y avait le gaz qui a explosé avec. Et puis, d'un seul coup, je plonge par la fenêtre. Et je suis sorti. Et... Et après, pour sortir des rien, je n'arrivais pas à trouver le trou. Il y avait le voisin à côté, il avait bien le chien, commençait à aboyer quand il a entendu boum, il a commencé, waouh, waouh, l'autre il sort, il y a au feu. Et après, la force, on a trouvé le trou. On est parti, chacun est rentré chez lui. Bon, j'étais brûlé un peu les mains, j'avais les cheveux brûlés, j'avais les genoux brûlés. Après, il y avait les gendarmes qui sont passés devant chez moi. J'avais les mains dans les poches, je leur dis, ne me demandez pas de vous serrer la main, j'ai pas envie aujourd'hui. Je suis en colère, on en a brûlé la classe où j'étais à l'école et tout. Je suis pas content. Là. Et puis, voilà, et puis après l'école, l'a fermée. Et jusqu'à présent, c'est resté comme ça. Et oui, hein. C'est pas facile, hein. Hein? Il dit comment tu l'as voulu couler. Depuis hier soir, 23h, 4 travailleurs immigrés algériens sont détenus par une dizaine de jeunes harkis masqués et armés de fusils de chasse à canoncier. On obéit. Et commencer d'abord, il faut obéir dans la vie. Justement, on obéit, mais on a trop obéi. Ça fait 13 ans qu'on obéit, 13 ans qu'on obéit. C'est normal qu'il faut se réveiller quand même, non? Ça fait 13 ans qu'on vous obéit. Les harkis sont assez aigres et en veulent à ceux qui les ont mis dans le pétrin. Et je m'explique. On leur a fait croire et on leur a dit qu'ils étaient malheureux dans ce camp. Ceci était faux. C'est cette rébellion qui finalement a fait exploser le camp. C'est grâce à elle que de nombreuses familles comme la mienne ont pu partir. D'autres ont découvert combien il était difficile après 15 ans de vivre en dehors du camp. Et beaucoup ne sont jamais partis. Moi, dans la grande ville, moi, je ne sais pas lire, je ne peux pas, moi. Je n'ai pas habitué, moi, dans la grande ville. Jamais je sortais, moi.
Ceux qui ont accepté de me parler m'ont donné bien plus que ce que j'attendais. Mais pourtant, mes questions n'ont fait qu'augmenter. Il m'est enfin possible de comprendre l'enfance que mon père a vécue en France. Mais quel enfer ma famille avait-elle fui? Et coucou! Coucou Sarah! Comment ça va? Ça va. Et toi? Oui, ça va. Wow. Je vais la poser là. Tu la tournes de l'autre côté ou... Oui, ma petite. Hey, oui, oui, elle est contente. Elle est contente. Hein? Nous aussi, elle est contente de te voir comme ça. Ton arrière-grand-mère. Oui. Bon, vous m'attendiez peut-être. Eh, oui, hein? Oui. On va passer à table, hein. Ils t'ont puni, ils t'ont mis à côté de moi. Hop là, hop. Non, mais sur le banc, c'est mieux. Non. Voilà. Bon, ça va? Oui, oui, ça et va. Et toi? Bon, mamie, t'as le bonjour de Madame Tamazunt. Merci. Wow. Bon, tout le monde, hein, au global. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Madame Tamazunt. Ouais. Quel âge elle a, même si c'était des amis. Eh ben, quel âge elle a maintenant? Elle a, elle doit avoir le même âge. Sensiblement le même âge, ouais. Elle a le même âge. Comme elle va la pauvre, ça va. Ça va. Comme toi. Il en reste beaucoup, hein, bien, c'est dans le camp de ce qui était le camp. Ben, je pense. Est-ce que ça se voit que c'était un camp ou pas? Ah oui, oui, oui. Maintenant, maintenant, maintenant. Ça, non, si tu, non, si tu sais pas, si tu sais pas. C'est juste que les maisons, elles sont quand même... Enfin, elles sont, c'est pas des maisons... c'est un peu lugubre, quoi. Je suis arrivée le premier jour, il pleuvait. C'est des maisons, tu sais, elles sont pas isolées, elles sont toutes pareilles, elles sont pas hyper... Ouais. Bon, et après. Qu'est-ce que c'est cette vidéo? Ah ben ça, c'est Aïssa Gasmi. Aïssa Gasmi, ouais. Il nous a raconté qu'il avait fait péter l'école, que c'était lui qui avait mis le feu à l'école. Ouais. Allez, Badi et moi, on s'est ramenés à l'école. J'ai mis des jerrycans et j'avais une boîte d'allumettes. Je m'amusais comme ça. J'avais oublié que j'étais dans... Et Badi, j'ai entendu sort. Badi, il était dehors, lui. C'est des choses qu'il fallait faire en fait. Ben oui. De toute façon, il fallait tout faire sauter. Là, on va pas. Qu'est-ce qu'il y a, mamie? Je suis contente avec ce que tu as fait. D'avoir vu tout le monde. Oui. Écoute, moi aussi, je suis contente. Vous allez retourner là-bas. Ils savent bien. Vous êtes mieux. Je sens que mon père me respecte pour ce que j'ai fait. Mais il pense toujours qu'il est inutile d'en parler. Pour lui, le passé appartient au passé. Mamie, en revanche, m'a dit avant d'aller se coucher qu'elle était vraiment prête à parler. Merci pour ton courage, mamie. J'espère que cette douleur finira par tous nous aider. On va commencer. Oui. Vous êtes prêts? Est-ce que je vous pose quelques questions sur l'Algérie, votre enfance? Je commence par mamie. Bon, mamie, du coup, je vais te poser des questions sur l'Algérie, surtout, de ce que tu te rappelles. Et donc, voilà, tu me dis, si tu n'as pas envie de répondre à certaines choses, tu ne réponds pas, de ce que tu te rappelles. Tu fais comme tu veux, d'accord? L'Algérie, on a passé la souffrance de l'enfer, mais le Dieu il est avec nous, il m'a encouragé. Vous habitiez où? C'était où? On vivait en Kabylie, dans un petit village à 18 km de Tizouzou, 18-19 km. Notre village, c'est celui-là,
Jura, c'est là-bas. On regarde, tout qu'on en voit la porte, on regarde Jura. Jura, c'est la montagne? Oui, c'est la montagne. C'était un endroit magnifique. On avait la nature pour nous tout seuls. On avait la cuisine d'été, mais couverte avec du chaume. Et l'arbre de grenadier, il était juste derrière. Donc tu vois les grenades qui pendaient sur le toit de chaume. C'était très beau, ouais. C'était beau, ouais. Est-ce que tu sais pourquoi papy il a choisi de s'engager avec l'armée française? Qu'est-ce qui l'a poussé à faire ça et comment ça s'est passé? Après ça, c'était une période difficile, en fait. Ma maman, elle était farouchement contre. Mon papa disait qu'il était obligé, etc. Ça, j'ai ce souvenir très précis. 5 fois sans venir l'armée me prendre. J'ai dit jamais j'ai mis le pied là-bas. Jamais j'ai mis le pied à l'équerre. Papy faisait partie des gens du village, les plus riches sans doute. Donc il était jalousé par sa propre famille et pas par n'importe qui. Par sa propre famille, dont un de ses cousins qui était FLN pendant la guerre. Donc ses cousins, son oncle et ses cousins voulaient le tuer pour lui prendre ses terres. Et papy s'est engagé dans l'armée française suite à ça. Et après, papy m'a dit, après si tu viens, c'est pas dans ma maison. Je n'ai pas de maison où est-ce que je vais aller. Eh bien, ça va faire papy. Donc là, à partir de cette période-là, là, donc ça a été la fin de la guerre en 62, ouais. Cessez-le-feu. Et à partir de là, ah, notre vie a basculé le 22 juillet 1962 au crépuscule. Les gens, ils sont devenus fous. Hommes, femmes et enfants, tout le monde est devenu fou. Il y avait des expéditions punitives sous forme de défilés de femmes FLN, pro-FLN et étudiants. Après le monde né qui vient, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont décidé dans leur tête, elle va faire pour nous. C'était plein de femmes, des drapeaux algériens, l'Algérie, aux Algériens. Ils sont venus à la maison, ils ont tout ce qu'on avait comme nourriture, la semoule et tout, ils l'ont renversé par terre, ils ont mis de l'eau pour qu'on le... Ouais, pour ne pas le récupérer, les tapis, les couvertures, les tapis en laine. Là. L'autre, il est arrivé, fils de traître, etc., etc. Il m'a battu avec une extrême violence. Ils ont attrapé un pour les mains, un pour les bras, les pieds. Ils ont tombé comme ça par terre. Il a vomi le sang toute la nuit. Moi, une, elle m'a pris dehors, en dehors de la porte. Elle m'a pris par là, elle me serrait la gorge. Et une, elle est allée pour étouffer ton père. Elle a pris le coussin pour lui dormir pour l'étouffer. Il y a ma grand-mère maternelle qui s'est recroquevillée dessus pour le protéger. Donc elle lui doit la vie. Et il doit la vie à ma grand-mère. Ton père, après, je me suis dit, il avait peur du noir. Je dis, après, est-ce que c'est... Pendant longtemps, il avait peur de noir. Et papy, il était où pendant ces... Là, à partir de 62 ? Il a été mis en prison ? Non, d'abord, ils ont fait des travaux forcés d'abord dehors. Ils nous obligeaient à aller voir nos pères faire des travaux forcés. Leurs geôliers qui leur tapaient dessus à coups de crosses de fusil ou de gourdins quand ils n'avaient pas de fusil. Et on les voyait tous, avec d'énormes lèvres blanches, parce qu'ils leur faisaient tous enlever les figues de barbarie avec la bouche. Et lui, le pauvre, il n'a pas voulu me regarder. Il me dit, ma fille, je ne veux plus que tu reviennes me voir. Je dis, mais si je reviens te voir, il me dit, non, ma fille, je t'aime, mais je ne veux pas que tu reviennes. Je ne veux pas que tu reviennes me voir. Pardon. Pardon de quoi? Je t'ai fait pleurer comme ça. C'est pas toi, hein, c'est moi. Me donne un super angel. J'en ai plus. Faut que j'aille à chercher. Ah.
Bah, nous, on savait que c'était pas possible pour nous de rester là. Donc, on a organisé un plan d'évasion. Après, je lui ai raconté à le mari et à ma soeur, elle m'a dit tout de suite, on va y aller. Après, j'ai dit non, je ne peux pas, je ne peux pas. Encore, j'ai peur, je vais ramener le malheur pour le mari et à ma soeur. Elle va condamner contre moi à cause de moi. Il m'a dit, je t'ai dit, on va y aller, si tu veux que je te ramène jusqu'en France. Et Mohamed, qui ne voulait pas monter, et lui s'est accroché à sa grand-mère. Il lui dit, je reste avec toi. Et cette scène, et elle lui dit, je suis vieille, je vais mourir, tu m'as trop vite tout seul. Il faut que tu pars avec ta mère et tes frères. Lui, non, il s'est accroché. Il lui dit, tu viens avec nous, je pars. Elle lui dit, non, moi, je ne peux pas venir, je reste, je garde la maison. Jusqu'à ce que vous alliez revenir. Et ça, c'est terrible. Elle est morte un an après. Elle n'est pas morte de maladie, elle est morte de chagrin. Ça y est, merci, merci, excusez-moi. Astaghfirullah, ya Rabbi. Dayna illi safiniya. C'est bon, mamie, c'est fini. Oui. Pas gaspiller. Voir dire une fois l'Espagne m'a engueulé. Pourquoi? Au restaurant, là. Je lui ai coupé le souper, on a pas entendu la vie. Il m'a dit, pourquoi t'as fait ça? Je ne sais pas. C'est récanomisé. Elle m'a dit, t'es pas honte, ça n'existe pas ça. Mais j'ai jamais carroyé, je vais rester à cet âge-là avec qu'est-ce qui s'est passé sur moi. Si. C'est comme à Bia, ça, il y en a plein, il y a des femmes qui restent toutes seules. Il y en a beaucoup encore. Je sais. Je sais. Vous êtes plus résistante. Oui. Et voilà pour ce document exceptionnel sur ces blessures encore profondes de la guerre d'Algérie, plus de 60 ans après l'indépendance. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.